Amis de la Restone, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon guide complet de la 1.5. Alors, mon guide complet de la 1.5, qui est assez long, car oui, la 1.5 ajoute énormément de blocs et de fonctionnalités. Alors, je précise, là, je suis pas sur la 1.5, mais sur la pré-release 1.5, car la 1.5 sort mercredi, et donc elle n'est pas encore sortie. Et je suis sur la pré-release pour vous offrir ce guide juste à la sortie de la 1.5. Donc voilà, là c'est la première partie, donc que les blocs. Bah écoutez, cliquez sur le bloc qui vous intéresse, ou alors si vous voulez tout voir, vous n'avez qu'à attendre. À tout moment, vous avez une petite porte qui s'affiche en haut à gauche de votre écran. Vous pouvez cliquer dessus pour revenir à ce choix de départ. Allez, c'est parti. Et on commence avec le quartz. D'autres l'appellent aussi le marbre. Car oui, il a un peu une texture de marbre, donc le voilà. Il a plusieurs dérivés, donc ce quartz. Et moi, sincèrement, ce bloc, je le trouve assez sympa, assez joli. Donc voici le bloc d'origine du quartz, donc qui se craft avec 4 quartz. Donc ça se trouve dans le Nether, sous cette forme. On ira le voir après dans le Nether. Ensuite, avec ce quartz, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez faire d'abord des piliers de quartz, comme ceci, deux blocs de quartz. Alors, des piliers de quartz, ce qui est bien, c'est qu'ils sont orientables comme les troncs, vous voyez. Donc ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est pareil, une astuce déco que j'ai utilisée là-bas. Et vous pouvez faire ensuite du quartz taillé. Alors ça, par contre, j'aime pas trop. Vous mettez deux dalles de quartz. Deux dalles de quartz que vous faites comme ceci, donc c'est assez intuitif, hein. Et vous pouvez aussi faire des escaliers de quartz, donc ça aussi c'est très intuitif comme craft. Donc ce bloc est sympathique, hein, pour la déco, moi sincèrement j'aime bien, ça me plaît. Donc on se retrouve tout de suite dans le Nether pour voir à quoi ça ressemble à l'état naturel. Nous revoilà dans le Nether. Alors, je tiens à préciser que tous les gisements que j'ai trouvés ici sont naturels. Hein. Donc là, nous en avons un, là un autre, ici un autre, là aussi. Donc vous voyez, là. Vous voyez, c'est pas une ressource très rare, mais des fois, elle est difficile d'accès. Hein. Alors, déjà, faut aller dans le Nether, ça c'est pas de toute facilité. Mais une fois que vous êtes arrivé dans le Nether, bon, celle-ci est facile à miner. Mais par exemple, aller miner celle-là, c'est déjà plus compliqué. Donc, on se retrouve tout de suite dans le monde normal. Nous voilà revenus dans le monde normal. Et le prochain bloc sur la liste, c'est l'entonnoir, le hooper en anglais. Alors ça, c'est un des ajouts vraiment majeurs et c'est vraiment super pratique. Alors, on va déjà voir les fonctionnalités principales. Alors, voici l'entonnoir et voici le craft. Donc pas très compliqué, hein, mais assez coûteux quand même. Alors, l'entonnoir, à quoi il sert? Et bah tout bêtement, je vais prendre de la laine. Voilà. Tout bêtement, quand des items vont tomber dans l'entonnoir, comme ceci, ou même comme cela, ils vont être captés par l'entonnoir, ils vont rentrer dans l'inventaire à terme de l'entonnoir. La vitesse de 2,5 items par seconde vont être transmis dans le coffre qui est en dessous. Enfin, pas forcément en dessous parce que vous voyez ici par exemple il est branché à ce coffre. Vous avez le petit bitonio, on va dire, qui s'accroche en fait. Donc voilà, il le transpasse ce coffre et un entonnoir placé sous un autre coffre va aspirer les items. Donc en fait ce qui va se passer c'est que les items vont être placés dans ce coffre. Mais vu que ce coffre a un entonnoir et ça va être aspiré, ça va être placé dans ce coffre. Donc voilà, on est au 64. Et c'est super pour des fermes automatisées. Alors, on peut aussi avec les entonnoirs faire des espèces de conduits. Alors, ils peuvent pas monter ces conduits, mais là, vous voyez, cet entonnoir pointe vers celui-ci, puis vers celui-ci, puis celui-ci vers celui-là, puis celui-là, vu que l'entonnoir est compté comme un container en fait. Donc, c'est assez pratique. Je vais reprendre ma laine. C'est assez pratique et il risque pas de disparaître. Par exemple, sur une chute d'eau, ça disparaît. Donc là, on peut les voir. Passer, puis voilà, on n'a plus, on a nos 9, ça va assez vite. Alors aussi, une propriété de l'entonnoir, si il est activé par de la redstone à côté, et bah il n'aspirera plus les items. Vous voyez, il les repoussera, il y aura comme un effet
de trampoline, on va dire. C'est pas un bug, hein, c'est juste parce que les items, le Hopper, l'entonnoir ne le veut pas. Et si on met des items dedans, ils ne seront pas transmis en dessous. Donc en fait, l'entonnoir est désactivé. Donc ça, c'était pour les principales fonctionnalités. Aussi, un entonnoir, quand il est placé, on peut placer des rails de redstone sur un entonnoir, comme ceci. Alors attendez. Hop. Alors, pourquoi il ne veut pas démarrer? Voilà. Donc on va faire comme ceci. Là, vous voyez, je vais mettre mes laines noires en fait. Et je vais allumer ça. Et en fait, dès que ça va passer sur l'entonnoir, l'entonnoir va capter les items du wagon coffre. Donc là, vous voyez, les items sont captés par l'entonnoir et vont dans le coffre. Et si on redémarre, hop. Et qu'on fait comme ça, en fait, l'entonnoir en captera environ un à chaque passage. Ça, c'était pour l'entonnoir. Donc, l'entonnoir a donc fonctionnalité, mais ça, on le verra dans les catégories suivantes. Et on se retrouve tout de suite pour le comparateur. Et on se retrouve pour le comparateur. Alors le comparateur, c'est un des blocs, je pense, les plus complexes à comprendre, hein, de la 1.5. Mais bon, une fois qu'on a compris, ce n'est pas non plus extrêmement compliqué. Donc voilà le comparateur. Donc il a deux modes. Donc on passe d'un mode à l'autre en faisant un clic droit dessus. Et donc voilà les deux modes, je vais vous les montrer après ici. Et il se craft de cette manière. Donc là, on voit qu'on a déjà besoin du quartz. Alors, maintenant, je vais vous expliquer le comparateur. Alors, le premier mode est assez simple. Il y a une entrée A et une entrée B. Alors, déjà, il faut savoir que maintenant, dans la 1.5, il y a des forces de signal, en fait. C'est-à-dire que là, l'alimentation, vous savez que le courant se propage sur 15 blocs, hein. Donc là, l'alimentation, elle est à 1, puis après, ça fait 2. Donc, en fait, la force du signal, c'est 15, 14, 13, 12, etc. etc. Donc là, on a un signal de 15, et donc qui est assez fort. Et là, un signal bas de 0. Donc ici, c'est plus grand que A est plus grand que B. Donc le courant est répété jusqu'à... Enfin, vous voyez. Ça, c'est 15. J'ai compté. Et par contre, si on met du 14, donc à l'entrée, là, il y a du 14. Et bah là pareil ça va aller jusqu'à 14 et par contre le B là va être en 15 et donc le comparateur va interdire vu que le B est plus grand que le A. Si les deux sont égales c'est le A qui remporte, hein. Donc voilà, c'est le premier mode. Et le second mode, c'est un peu un mode entre guillemets soustraction. Donc c'est-à-dire que là je vais mettre un signal de 15. Et puis à ce signal de 15, je vais enlever un signal de 13. Voilà. Et 15 moins 13, bah, vous faites le calcul, ça fait 2. Voilà. Après, je veux par exemple 14 moins 13, ça fait 1. Donc vous voyez, ça fait la différence. 15 moins 14, ça fait 1 aussi. 15 moins 15, bah, ça fait 0. Voilà. Et donc si A est plus grand, bah forcément ça fera 0. Donc c'est A moins B. Et il n'y a pas de moins. Après les comparateurs, il y a d'autres utilités, hein, sur tous les compartiments, en fait. Les contenants, donc les coffres, les fours et tout ça. Mais aussi sur les jukebox. Donc voilà, il y a différents disques. Voilà, donc si je prends, voilà, j'arrive pas à dire voilà, si je prends le 4 par exemple, je le mets dedans, le signal va jusque là, 2, donc voilà, je sais que c'est 4, ça peut être utile pour les maps aventure. Là, je mets Shirt, ça va aller jusque là, ça me fait penser un peu à un bar,
un bar un peu bizarre, c'est tout. Voilà. Après Mélodie, ça va jusque là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc après on peut faire un système pas trop compliqué pour savoir quel est le disque. Donc ça c'est wait. Voilà, pas mal aussi. Donc voilà, ça c'était pour les disques. Et bien sûr, il n'y a que 13 disques ou 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, 12 disques. Donc ça va que jusqu'à 12. On n'aura jamais un courant de 5 avec un comparateur sur une jukebox. Donc wait, c'est le dernier. Donc voilà, ça c'était pour la jukebox. Et voilà. Je vais détruire tous les CD. Et je vais vous montrer après pour les coffres. Alors pour les coffres, c'est assez spécial. J'ai remarqué que souvent c'était en nombre de stacks pour les coffres. Je vais prendre de la laine. En fait, plus le coffre sera rempli, plus ça va activer le comparateur. Mais vous allez voir au début, le premier. Alors attendez, je vais faire comme ça. Le premier stack va y avoir un d'activé. Le second stack va y en avoir deux. Mais si j'en mets un troisième, il n'y en aura pas trois. Il faut que j'en mette encore deux pour avoir le troisième. Et après, pour avoir le quatrième, il faut encore deux stacks. Et ainsi de suite, après jusqu'à la fin, je crois. J'ai pas vérifié, mais je crois que c'est ça. Hop, voilà. Méthode de vidage facile. Alors pour les fours, ce qui compte c'est l'ensemble de ça. En fait, souvent c'est à peu près le nombre de stacks maximum divisé par 15 blocs. Donc le four, voilà, c'est ça, divisé par 15. Donc ça tombe pas pile. C'est pour ça qu'avec le coffre, c'est pas pile. Au début ça fait 1 et après 2. Donc pour le four, ça dépend en fait s'il y en a plus là, moins là, c'est un peu plus compliqué. Et ça marche aussi avec les wagons Minecraft, avec les wagons Minecraft, avec les wagons de stockage avec un coffre. Et donc il faut par contre un rail détecteur en dessous. Et là, le comparateur marche pareil en fonction du nombre de stacks qu'on a dedans. Donc, vous voyez, ça marche bel et bien. Alors, bon, je vais enlever parce que ça va m'embêter. Et pour les entonnoirs, bah, ça marche aussi. Mais vous voyez, il faut que le bitonio de l'entonnoir soit orienté vers le comparateur. Sinon, ça ne marche pas. Donc voilà. Et on va se retrouver après pour aussi un nouveau bloc qui est le dropper. Allez, je vous retrouve tout de suite. Le dropper. Alors, qu'est-ce que le dropper? Le dropper, en fait, c'est exactement presque comme un dispenser à une différence près. Enfin, à plusieurs différences près, à deux même. Alors, le dropper, comment ça se craft déjà? Ça se craft comme ça. Donc, c'est comme un four, sauf qu'en bas, on met de la redstone au lieu de la pierre, ici. Voilà. Et le dropper, vous voyez, ça ressemble un peu à un dispenser, mais avec une espèce de petite bouche, là, et puis deux petits yeux. On dirait un bonhomme qui sourit, c'est amusant, hein. Et donc en fait un dropper, quand on met quelque chose dedans, donc là de la redstone, et qu'on va appuyer sur le bouton, et ben vous voyez, il va directement le placer dans le coffre. Donc ça c'est assez pratique, à chaque impulsion il va le placer dans le coffre. Et aussi il y a un deuxième truc, les droppers, comme son nom l'indique, ça drop les items. Donc par exemple un dropper, ça drop un feu d'artifice, ça drop une flèche, une bouteille d'enchantement, ça la drop. Une potion aussi, ça la drop. Mais ça ne la jette pas. Alors qu'un dispenser, une potion, ça l'utilise. Une boule de neige, c'est pareil. Une armure, vous verrez plus tard dans les modifications liées au dispenser. Vous l'avez peut-être déjà vu d'ailleurs. Et les boules de feu, c'est la même chose. Les seaux d'eau, ça les place là, ça les lance. Et la bonne mine, vous verrez aussi tout à l'heure. Je n'ai pas mis plusieurs autres exemples comme les seaux de lave, les œufs de mob et tout ça parce que je n'avais plus de place tout simplement. Et aussi bien entendu, ça ne place pas les minecarts et les bateaux. Voilà.
Donc ça ne place pas les bateaux ni les minecarts. Alors les minecarts, où est-ce qu'ils sont passés? J'ai plus de minecarts. Ah bah non, j'ai plus de minecarts. Bon, pas grave. Donc ça ne place pas les bateaux ni les minecarts. Donc voilà, c'est vraiment que pour dropper. Parce que vous allez voir avec les modifications du dispenser, vous allez comprendre pourquoi ils ont ajouté ça. Et on se retrouve pour le prochain bloc qui est le panneau solaire. Ah, le panneau solaire. Je crois que c'est un des ajouts que je préfère. Car vous allez voir, ça offre énormément de possibilités. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un détecteur jour-nuit. Comme avant, on pouvait le fabriquer avec de l'herbe. Sauf que là, vous allez voir, il y a un peu plus de précision. Tout simplement parce que quand c'est le matin, vous allez voir, ça envoie un signal de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 même. Un signal de 7. Quand c'est le midi, ça envoie un signal de 15. Parce que le midi, le soleil est haut, donc c'est pleine puissance. Et quand c'est le soir, ça envoie un signal de 2, le coucher de soleil. Et quand c'est la nuit, bah, bien sûr, ça envoie pas de signal. Donc c'est très pratique pour faire un éclairage. Donc voilà. Le panneau solaire, comment il se craft? Bah, c'est assez intuitif, hein. 3 vitres, 3 quartz, donc encore le quartz, et 3 dalles de bois. Donc voilà, et on se retrouve pour le bloc suivant, qui est le détecteur de poids. Les détecteurs de poids. Alors, il y en a en or, et comme on peut le voir sur le dessus, en fer. Ah, joli genre de passe-passe, hein, avec les cadres. Alors, voici en or et voici en fer, je vais dire voici en fer et voici en or. Non, donc le craft assez simple, hein, 2 lingots d'or et 2 lingots de fer. Alors ce qui est intéressant avec ces plaques, c'est que selon la quantité d'items qu'on va jeter dessus, en fait, là si j'en jette 64 sur la plaque en or, et bah vous voyez que ça remplit complètement les 15. 64, ça atteint le maximum. Donc je crois que la plaque en or, ça augmente 4, 5, voilà. 5, ça augmente 6, 7, 8, 9, voilà. Tous les 5, 4, ça augmente. Par contre, la plaque de pression en fer, elle est beaucoup plus lourde. Enfin, beaucoup plus lourd. Vous voyez, un stack, ça n'active que deux barres. Et là, si on en rajoute, ça en activera qu'une, et après deux. Donc, vous voyez, je crois qu'il faut trois stacks, en fait, pour... Il faut deux stacks pour activer trois trucs. Enfin, un truc comme ça. Enfin, pareil, là, je laisserai une page sur Minecraft Wiki où vous avez un tableau qui récapitule tous les nombres d'items qui sont utiles. Et si vous n'arrivez pas à savoir lequel est le plus lourd et lequel est le plus léger, dans la traduction c'est écrit détecteur de poids léger, détecteur de poids lourd. Donc voilà, donc, pareil, je l'avais montré, hein, le craft. Donc c'était un petit bloc, je sais pas si ça doit servir, mais c'est pas non plus une utilité énorme, mais c'est toujours pas mal les ajouts, on s'en plaint jamais, hein. Donc après, on va passer au bloc de redstone. Le bloc de redstone, je crois que c'est la mascotte de la 1.5, même si c'est pas le bloc le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il a de particulier ce bloc? Et bah déjà, il permet de stocker la redstone comme on pourrait stocker le fer, l'or, le diamant. Alors le lapis-lazuli, non, parce que c'est que 4, le lapis-lazuli, mais bon, c'est un peu sur le même principe. Oui, c'est ça, la piste de vie, je veux pas dire de bêtises quand même. Et donc aussi, à partir d'un bloc de redstone, dans la table de craft, on obtient 9 redstone. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? En fait, il agit un peu comme une torche. Voyez par vous-même. Alors, là, bien sûr, ça fait un espèce de bug. Mais il alimente la redstone qui est à côté de lui. Alors, qui est à côté de lui? Pas que ça, qui est donc sur lui, sur ses côtés et en dessous, comme peut nous montrer ce schéma. Et donc on peut faire de cette manière des pulseurs, comme ça, un pulseur assez rapide.
vais arrêter parce que c'est pas très bon. Et bah c'est tout sur le bloc de redstone, hein, donc il agit comme une torche. C'est pas mal aussi parce que si on met des rails d'accélération, ils sont directement alimentés, donc ça c'est pas mal. Le bloc de redstone, c'est positif comme ajout. Alors, on se retrouve tout de suite après, pas pour un bloc, mais pour un item. La brique du Nether, enfin l'item maintenant, pour pas confondre. Hein. Je crois que dans la traduction même, pour pas confondre, ils ont marqué pierre du Nether, voilà. C'est bien ce que je pensais, mais moi je préfère appeler ça brique du Nether, c'est plus joli. Alors, la brique du Nether, alors comme son nom l'indique, bah, ça sert à fabriquer les briques du Nether de cette manière en fait. Ça permet de les fabriquer tout comme on peut fabriquer un bloc de briques. Donc maintenant, vous n'avez plus à trouver des forteresses pour faire de belles constructions en briques du Nether parce que il suffit de faire cuire de la netherrack. Les traductions sont pourries, une roche rouge. Donc voilà, vous faites cuire de la netherrack et vous allez obtenir une brique du Nether, une pierre du Nether. Donc voilà, c'est un petit ajout mais qui est pas mal quand même pour la décoration en survie. Car c'est vrai que trouver une forteresse du Nether, bah, c'est pas de toute facilité hein, en survie. Donc voilà, un petit ajout, mais fort sympathique. Et on se retrouve pour les ajouts sur les minecarts. Allez. Les minecarts. Alors, les minecarts sont assez... ont eu pas mal d'ajouts. Alors déjà, on va voir... Ouh, de la TNT. On va voir les minecarts. Non, toi, tu restes là avec un entonnoir. Donc voilà leur forme. Donc il y a un entonnoir dans le minecart tout simplement. Donc voilà comment on les craft. Comment dire, c'est assez intuitif. Hein. Et donc les minecarts avec entonnoir, normalement, ils aspirent. Vous voyez, quand on met des blocs sur les rails, ça va passer et ça va les aspirer. Donc voilà. Et après, ce qui est pratique, c'est que ça prend aussi des items. À chaque passage, ça va prendre un item dans le coffre. Vous voyez qu'il y a un coffre au-dessus des rails. Donc ça, c'est assez sympa. Donc pareil, là, comme les minecart with chest, ça marche avec les comparateurs. On peut voir le nombre d'objets qu'il y a dedans. Or là, il va bien sûr les déposer dans ses entonnoirs à chaque fois. Hein. Donc forcément, il ne va pas s'accumuler. Mais si j'enlève... Voilà. Ouf. Voilà, maintenant ça s'est accumulé. Et petit à petit, bah, le comparateur, voilà, là, il trouve quelque chose dans le minecart. Et aussi si il est activé par le nouveau rail, donc le nouveau rail activator qui se craft comme ceci. Le rail activator, si il est activé par ça, il ne captera plus d'items. Donc voilà, il est comme en position off, comme un entonnoir hein, quand ça est activé, ça ne capte plus d'items. Bah c'est la même chose, il les ignorera totalement. Alors que si c'est sur la position off, voilà, il les prend et il va les poser dans le coffre après s'il y a un entonnoir. Donc voilà. Bah vous avez vu hein, avec les entonnoirs, je vous ai montré, ça peut capter aussi les Minecraft chests. Donc après, une fonctionnalité des minecart un peu plus amusante, les minecart TNT. Alors ça c'est vraiment très amusant. Donc il y a deux possibilités avec les minecart TNT. Soit vous les déclenchez avec un activateur rail, donc comme les minecart with entonnoir, donc et la TNT va exploser avec le même délai du recul, avec le même délai que je perds mes mots, avec le même délai qu'une TNT. Alors moi ça m'amuse vraiment cet ajout. J'aurais jamais joué avec ça. Et vous remarquerez que
ça n'éclate pas les rails en fait, les blocs où sont posés les rails. Donc ça c'est aussi pratique, hein. C'est très très pratique. Et il y a un autre moyen, comme je l'ai dit, de les faire exploser. Donc pour ça, j'ai mon petit aiguillage. Ouh, purée, maman va faire un truc bizarre. C'est de les faire tomber d'assez haut. Alors dès qu'ils tombent d'un bloc, ils vont pas exploser. Je sais pas c'est quoi la limite exacte. Mais vous voyez, il tombe et dès qu'il va toucher le sol, ça va exploser. Donc c'est pratique pour faire, bah, par exemple, des mines. Hein. Vous faites comme ça un petit circuit qui les amène. Boum, et là ça fait exploser de la pierre jusqu'en bas. Donc il faut je sais pas combien de minecart TNT pour descendre jusqu'en bas, mais il en faut pas mal. Je pense que la pioche reste encore un bon rapport qualité-prix. Vous inquiétez pas, cher Jean-Kevin, on aura encore besoin de vous. Alors après le prochain bloc est pas mal et ça promet des futurs pièges assez rigolos. Et oui, c'est bien le coffre piégé, en anglais trapped chest. Alors, le coffre piégé, comment il se forme? Tout simplement un coffre avec un trapwire à côté, accroché pour fil de détente. La traduction à rallonge. Donc voilà, et vous remarquez que il a par rapport au coffre normal une teinte rouge autour qui indique qu'il est piégé. Mais ça, vous y faites pas forcément attention, donc il peut se mettre en double. Et vous voyez qu'ils se fusionnent pas avec les coffres simples, donc ce qui permet de les ranger comme ça côte à côte sans perdre de place. Ça c'est une petite astuce pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial ce trapède à part la couleur et qu'il ne se fusionne pas avec les deux autres coffres? Parce que ça nous intéresse pas trop. Dès qu'on va l'ouvrir, en fait, il va envoyer un signal de redstone en dessous de lui et sur les côtés. Vous voyez? Et en multijoueur, là ça envoie un signal de 1. En multijoueur, s'il y a deux joueurs qui ouvrent le coffre, un signal de 2, s'il y a trois joueurs, un signal de 3, etc., etc. Donc voilà, c'est pas mal pour faire tout un tas de petits pièges. Donc ça, je sens que je vais bien rigoler avec cette mise à jour. Et voilà, c'est déjà la fin de cette présentation des blocs. Donc une présentation qui aura quand même duré une demi-heure. Hein. C'est pour ça que je coupe la vidéo en deux. Et dans la deuxième partie, nous trouverons la modification du gui et du scoreboard, les modifications liées au dispenser et les quelques astuces que je veux vous montrer et quelques bugs corrigés. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie qui ne devrait pas tarder à sortir.